défendez les drapeaux. Eh bien, salut tout le monde, c'est Zarco79, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 34e épisode du Zarco79 vous parle de. Pour ce 34e épisode, on va un peu parler de la franchise Call of Duty, sur tout ce qui concerne la nucléaire et tout ça. Donc normalement le titre ça sera les nucléaires au fur et à mesure des différents Call of Duty, ou dans les différents Call of Duty, quelque chose comme ça. Et on va partir de la première nucléaire à la dernière, donc qui est celle de Black Ops 3, même si le jeu n'est pas encore sorti, il y a déjà une nucléaire dessus. Et en plus de faire, en plus de parler de tout ça, tout simplement, je vais un peu vous donner mon avis pour vous donner, pour vous dire laquelle est selon moi la plus méritante et laquelle selon moi est la moins méritante d'entre toutes. Alors, on va commencer avec l'apparition de la toute première nucléaire qui est apparue sur MW2. Il faut savoir que sur Code 4 et Code 5, il n'y en a pas eu, hein, vu que de toute façon, on ne pouvait pas personnaliser nos score streak, enfin nos skill streak à l'époque. Eh bien, la première nucléaire est apparue sur MW2, ouais, avec les premiers kill streak. Alors, il faut déjà savoir qu'il fallait la sélectionner. Alors, pour la sélectionner, il fallait aller dans les kill streak, elle s'obtenait au bout de 25 éliminations. Et vous pouviez faire des kills avec vos killstreaks, ça comptait. Donc c'est-à-dire qu'avant la combinaison phare à l'époque, on va dire, c'était Harrier, mitrailleur d'hélico et bombe nucléaire. Hein, c'était 7 kills pour l'Harrier. L'Harrier faisait 4 kills, vous aviez le mitrailleur. Et après avec le mitrailleur, vous tuez 14 personnes, vous aviez à la nuque. C'était très simple, il suffisait de faire des kills avec les killstreaks et ça marchait. Au passage, pour le gameplay, c'est une petite nuque sur Advanced Warfare. Je parlerai des nukes et des DNA sur Advanced Warfare juste après. Mais c'est une nuque à la balle 27 royauté. Et c'était mon tout dernier gameplay avant que je passe mon prestige master, avant que je sois prestige 30. Voilà. Ensuite, on a eu la nuque sur MW3. Alors, la nuque sur MW3 s'appelait la Moab. La Moab, elle, c'est totalement différent d'MW2. Déjà, le score streak était. Le kill streak, pardon, était caché. Et il fallait faire 24 éliminations à la suite. Avec détermination, 25 éliminations à la suite sans détermination, uniquement avec les kills à l'arme, avec des gun streaks. Donc c'est à dire que tous les kills que vous faisiez avec vos score streaks, avec vos kill streaks, je mélange tout, avec vos kill streaks, passaient, ne comptaient pas tout simplement pour la nucléaire et ça passait au-dessus de la série. Et vous deviez enchaîner 25 personnes uniquement avec des armes à terre ou avec votre arme à vous pour la débloquer. A savoir que sur MW3, il y avait un truc qui était très 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 utile. Vous aviez les killstreaks de soutien, les killstreaks d'assaut et les killstreaks spécialistes. Killstreaks d'assaut, c'est tout ce qui est drone de brouillage. Et encore, je crois que le drone de brouillage était en soutien à l'époque. Bon, bref, drone, colis, hélico, AC-130 et tout ça. Killstreaks de soutien, c'est tous des trucs qui sont censés aider vos alliés. Donc drone de soutien, drone amélioré, même s'il y avait la bombe IEM et le bombardier furtif, mais bon. Voilà. Et ensuite vous aviez les killstreaks de spécialiste, donc quand vous faisiez 2 kills vous avez un atout, 4 kills un autre, 6 kills un troisième atout, et au bout de 8 kills vous aviez tous les atouts spécialistes et ça vous rendait vraiment très 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 puissant. Alors ensuite la nuque est apparue sur Call of Duty Black Ops 2. Alors sur Black Ops 2 pas d'explosion comme sur les deux précédents opus de Modern Warfare. Hein. C'était tout simplement une médaille, au bout de 30 éliminations vous obtenez la médaille nucléaire. Et c'était tout. Alors pour moi la nuque de Black Ops 2 elle était pas très simple à réaliser mais pas très compliquée. Si vous étiez en équipe il y avait moyen de bien la taper. Mais franchement c'était une nuque assez fun à débloquer mais ça servait à rien d'en compter des milliers. Même si les gens voyaient vos stats, que vous voyez par exemple vous aviez 150 nuques, il se passait rien dans la game quand vous la débloquiez donc c'était vraiment pas utile. Ensuite on passe à Call of Duty Ghost. Alors Call of Duty Ghost pareil que pour Modern Warfare 3. On avait la KEM Strike. Alors, la KEM Strike se débloque au bout de 25 kills à l'arme, uniquement à l'arme, donc les killstreaks ne comptent pas. 25 kills à l'arme à la suite. Donc, comme j'ai dit, killstreak d'assaut ne compte pas, killstreak de soutien ne compte pas, mais on avait encore les fameux spécialistes qui, dans le gros, c'était différent. Hein, je ne sais pas comment ça vous expliquer comment ça se passait, mais en gros, chaque atout valait un nombre de points. Par exemple, si un atout valait 3 points, il allait falloir faire 4 kills pour l'avoir. Si un atout en valait 4, il va falloir faire 5 kills de plus pour l'avoir, bref. Et une fois que vous aviez vos spécialistes,
Vous n'aviez pas tous les atouts du jeu, mais vous aviez certains atouts que vous aviez choisis par rapport à un nombre de points. Donc pour tous ceux qui n'ont pas joué à gauche, bon bah voilà. Je sais pas trop vous expliquer comment ça se passait les spécialistes, mais vous avez compris le délire. Les atouts avaient des points, et plus les atouts avaient des points élevés, plus c'était intéressant, plus il fallait faire des kills pour les débloquer. Et la KEM, en gros, bah, c'était une explosion dans la map où il y avait une grande fumée orange, vous ne voyez rien. À l'inverse, MW3, il y avait une fumée rouge, mais on voyait vraiment clair. Ensuite, on passe à Advanced Warfare. Alors, Advanced Warfare, il faut savoir que c'est un mélange de deux Call of. Le mélange de MW2 et le mélange de Black Ops 2, MW3, enfin bref, le mélange de DNA. Le mélange de la DNA, en fait, ça vient de MW3, de Ghost et de BO2. Et le mélange du titre vicieux, ça vient de MW2. Donc, sur Advanced Warfare, comme je le dis, il y a deux trucs. La première chose, c'est un titre vicieux. Donc ça correspond un peu à une nucléaire. Il faut faire 30 kills à la suite pour la débloquer avec les killstreaks. Vous pouvez la débloquer avec les killstreaks, mais c'est juste une médaille qui apparaîtra. Donc c'est ce que j'ai fait dans ce gameplay. Vous allez voir que mes killstreaks font du kill, ça compte. Je vais faire 30 éliminations à la suite et je vais débloquer une médaille, la médaille vicieuse. Mais ça ne sert à rien, simplement la médaille, c'est une médaille vicieuse, voilà. Et en revanche, vous pouvez faire 30 kills à la suite dans la partie, c'est-à-dire qu'on peut débloquer les deux en même temps. Si vous avez fait des killstreaks, une série avec vos killstreaks et votre arme en même temps, en fait les deux s'additionnent séparément. Mais et si vous faites 30 kills à la suite à l'arme, vous débloquez la DNA bombe. Alors la DNA bombe, c'est comme une Moab, une KEM. Vous la lancez, elle explose au bout de 10 secondes et ça tue tous les ennemis. Et ça fait une grande fumée verte dans la map pendant 2-3 secondes, c'est tout. À l'inverse de la Moab et de la KM. La Moab, la KM, la fumée elle restait durant tout le long de la game. Et la Moab, la DNA bombe, pardon, la fumée reste là dès que la DNA explose, après c'est tout. Au passage, si vous voulez voir à quoi ça ressemble une KM et une DNA, il y en a sur ma chaîne, je vous invite à aller les voir au moins. Si vous n'êtes pas joueur de Call of Duty de base, vous pouvez regarder à quoi ça ressemble. Alors ensuite on va parler de Black Ops 3. Alors Black Ops 3 pour l'instant sur la bêta on avait uniquement la possibilité de débloquer la médaille nucléaire, comme sur Black Ops 2, donc 30 kills à la suite uniquement à l'arme. Et j'aimerais vous poser une petite question, est-ce que vous trouvez que la médaille nucléaire de Black Ops 3 a moins de mérite que la médaille nucléaire de Black Ops 2 ou le titre, ou la DNA bombe d'Advanced Warfare, la Moab et tout ça. Alors je m'explique, la médaille nucléaire de Black Ops 3, on doit faire 30 kills à la suite sans mourir pour la débloquer uniquement à l'arme. Mais il y a quelque chose qui n'avait pas dans les anciens Call of Duty, il y a des spécialistes. Dans ces spécialistes, vous avez le fameux spécialiste Nomade, qui a fameusement fait parler de lui et tout. Et Nomade, en fait, quand vous vous faites tuer, vous pouvez vous réanimer, vous relever, votre série elle continue. Donc est-ce que vous trouvez que ça enlève du mérite à la nucléaire? Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire, oui mais il y a des nucléaires aussi sans Nomade, je suis d'accord, mais est-ce que vous trouvez qu'une nucléaire réalisée avec Nomade, c'est totalement pas méritant, parce que ça veut dire que vous mourrez une ou deux fois dans votre série, même plus, hein, et vous vous réanimez, la série continue. Parce que pour moi, une nucléaire sur Black Ops 2 ou sur n'importe quel autre Call of Duty, c'était... Tu mourrais dans ta série elle était cassée. Là non, tu meurs, tu peux te réanimer, ta série elle continue. Pour moi, le nucléaire c'est 30 kills à la suite. C'est pas 5 kills, je meurs, 12 kills, je meurs, 3 kills, je meurs et je me réanime à chaque fois. Donc, je sais bien qu'il y en a qui ont dit, ouais, mais le spécialiste se débloque pas aussi vite. Si vous prenez les flags et vous enchaînez un bon nombre d'ennemis assez rapidement, vous débloquez votre spécialiste quasiment tout le temps, vous ne mourrez jamais. Voilà. Donc, c'était un peu le petit débat que je voulais parler à la fin. C'est vraiment Black Ops 3. Et maintenant, je vais passer à ce qui est, selon moi, la nuque la plus méritante, la nuque la moins méritante. Alors, pour moi, la nucléaire la plus méritante, c'est celle du MW3. Celle de MW3, c'est franchement celle que j'ai adoré le plus tenter. Même si celle de Ghost, j'adore aussi. Hein. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai réalisé 88 Moab sur MW3, 86 KM sur Ghost, dont deux fois la double Moab sur MW3 et la Moab R&D, pour ceux qui s'intéressent. Et sur Ghost, je faisais mes Moab, enfin mes KM à mon aise. Tout simplement, je trouvais que c'était les mieux, les plus méritantes, parce que si on jouait avec des atouts spécialistes, on jouait que pour sa gueule. On n'avait pas forcément besoin du soutien des alliés, et ça passait crème. Et selon moi, la nuque la moins méritante, c'est celle de MW2. Celle de MW2, c'est vraiment la plus simple à l'heure actuelle. Vous tapez
Cette kill, vous avez l'arrière, l'arrière débloque la page et la page débloque la nuque, voilà. Donc, j'espère que ce petit débat vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime, commenter, partager, vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. À checker la chaîne des produits, ça leur fera toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me dire par commentaire ce que vous pensez, la nuque que vous préférez, la nuque que vous détestez le plus, voilà. C'était Zarko, n'oubliez pas d'aller voir mon Twitter, je vous dis à la prochaine. Bye.